épisode de l'horrible pensée « Suis-je un moment vainqueur ?» Espoir de tous côtés rentre à flot dans mon cœur. Alors les beaux projets, les fêtes de famille, les lectures, les jeux, le soir sous la charmille, les déjeuners au bois avec quelques voisins, dont les enfants, porteurs d'un panier de raisins, vont, par lance d'osier, de suspendre à la selle de nade, qu'une blonde et rose demoiselle monte déjà, riant et semblable en son air à Charlotte, au front pur, qui rendit fou Herthère. Et l'on part sans songer à l'orage qui plane, et toujours je me trouve un peu trop près de l'âne. Prenez garde, dit-elle, et il vous ferait du mal. Et vous ne pourriez plus, demain, danser au bal avec votre cousine Alix. Ne vous déplaise, ma cousine est bien loin. Mais le panier qui pèse fait chavirer le trône, et de son embarras, plus belle encore, la reine a glissé dans mes bras. Elle crie, elle rit, les mères courent. Maudits soient les fâcheux amis qui nous secourent et nous tirent d'affaire au plus beau du danger. Cependant, on arrive. Il faut tout arranger pour le joli repos. La pluie alors commence, et moi, que rien ramène à ma terreur immense, je m'assieds à la pluie, et sans suivre des yeux, la blonde jeune fille et les enfants joyeux.